Ça y est, on y est. Alors pour l'instant, j'ai pas de retour, je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi on peut pas. Connexion au serveur en ligne. D'accord, faut peut-être se connecter pour voir l'image. Ça, ok, pas de soucis. L'accent sur le chaos. Putain, on va mettre le casque 3D, ça c'est pas mal. On va laisser comme ça pour le moment, sérieusement modifiable le frais sûrement. Étalonnage terminé. Bien sûr, forcément. Remettez-moi une intro s'il vous plaît. Le feu, la pierre, le langage, les machines. Confronté aux crises, l'homme s'est adapté. Nous avons combattu, exploré, construit, rêvé à la maîtrise d'un monde. En perpétuel changement. J'en ai 9 questions, ça tombe de fou. Je suis assez vieux pour me souvenir de l'ancien monde. On avait des lieux à nous. La nation, la communauté, la famille. Les États sont tombés un à un. Maintenant, des millions de réfugiés se dispersent partout dans le monde, loin de chez eux. Nous sommes leur survie. Pris au piège entre les deux dernières superpuissances, alors que le conflit pour la quête des ressources est sur le point de nous plonger dans une guerre sans précédent. Ça sent le gros son après. That has disrupted electronic communication across the planet. We don't know what is happening. Are we on the air? Are we on the air?
raté l'intro. On se rend à Doha pour empêcher les forces russes de s'emparer d'un satellite américain. Les infos qu'on a suffisent pour que les deux camps veuillent nous exterminer. Mais on sait surmonter les crises. Les sans-patries ont ça dans le sang. On est des guerriers. On sait s'adapter. Oh, la musique. Et ce combat est le nôtre. C'est tout. Notre voyage commence ici, sans patrie. Une partie pas te fait pas très mouvementée, parce que l'occasion de votre familiarité avec l'espérance de guerre, l'ordre total du monde conquête. Vous pouvez suivre le menu principal et que le jeu soit complètement installé. Écoutez-moi bien, parce que je ne l'expliquerai pas deux fois. Dans la zone de combat, deux armées s'affrontent pour capturer, puis tenir des secteurs. Le combat continue. Jusqu'à ce qu'un des camps n'ait plus de renfort et doive se retirer. C'est tout. Bien. Comment capturer des secteurs? Sécurisez les objectifs d'un secteur pour vous en emparer. Pour sécuriser un objectif, éliminez les ennemis présents. Quand l'une des équipes tient tous les objectifs d'un même secteur, elle s'en empare. Quand vous avez plus de secteurs que l'ennemi, ses renforts s'épuisent considérablement. Éliminez vos ennemis un par un. Envahissez-les et gagnez le combat. Vous pouvez choisir d'attaquer l'ennemi et d'épuiser tous ses renforts. Mais le résultat final dépend des secteurs capturés. Compris ? N'oubliez pas ce qui compte. Au boulot ! Ils vont me dire où j'étais direct dans l'arène, là ? C'est quoi, je vais laisser tourner à 760 FPS, je m'en fous, même si la qualité est dégueulasse, je ferai des arrêts. Vous voyez les graphismes. Après, ça reste de la PS4. Ah oui, putain, direct, on a pas le temps de rigoler là. Attention, d'autres unités, force américaine dans la zone. Bravo. Alors, ingénieur. Tu peux établir la connexion avec eux? Je vais essayer, okay, tenez bon. Soutien. Ici le commandant Williams. Et à qui ai-je l'honneur? Kimble Graves, monsieur. J'appartiens à une force opérationnelle sans patrie. On va attaquer les forces terrestres russes. Si vous ne voulez pas vous retrouver coincé entre deux feux, je vous suggère de nous aider. On a le choix. Rien à foutre. C'est d'accord. J'envoie les coordonnées. Rendez-vous sur le terrain. C'est pas comme ça qu'on arrête une guerre. J'ai pas le temps de choisir, les mecs. Qu'est-ce qui se passe ? Écoutez, la stratégie est simple. Capturez vos objectifs, prenez le contrôle des secteurs et repoussez l'ennemi. Si les Russes veulent se battre, pas de soucis. Oh, ça commence bien. Pas trop niaisé. Objectif repéré. Allons-y, c'est là-bas. On suit votre progression, les sans-patries. Prenez cet objectif et ne laissez aucun survivant. Nos forces contrôlent la plupart des secteurs. C'est quoi ça? Ah, des boucliers tactiques, ok. Ça c'est quoi? Des troupes alliées de cible Bravo 1. Grenade. On nous signale aucune présence ennemie. Sans patrie, vous pouvez avancer sur l'objectif. On sécurise les lieux. Oh putain, j'ai déjà tiré comme un manche. Mais qui ma gueule? Je crois que je viens de traiter mon premier hélico, sérieux. Ah, il y en a de partout là. Ah, j'ai éclaté mon premier hélico, c'est. D'assistance médicale. Que quelqu'un vienne m'aider.
À l'aide! Est-ce qu'on va avoir un médecin? Besoin d'assistance médicale! J'ai besoin d'aide! Bon, c'est bon, on va se prendre des poignets. Venez pas m'aider! On va se prendre des poignets en B1. Cible abattue! Rechargement! J'installe une protection. Bah ça touche bien. Oula, ça bug un peu. Hein. C'est quoi ce bordel? Tempête de sable, ça. Ils sont contraints de demander des renforts. Voilà, c'est bon. J'ai déjà plus de balles. Quelle est la situation? Il est encore tôt, mais on sécurise le territoire dans les délais prévus. Okay. Attends, ça me tire dessus là, je sais pas d'où. Secteur. L'ennemi a sécurisé le secteur Bravo. On contrôle la plupart des secteurs. C'est quand tu veux, tu fais des lingues. On tient. Bien joué. Vous avez pris le contrôle du secteur. Vous assurez les sans-patries. Non, laissez-moi.
leur effectif de moitié. On a le contrôle total. Maintenant, défendez-moi ce secteur. Moi, chaud. Le contrôle d'Alpha 1 vous a échappé. Ne venez pas me relever! On va retourner sur B. Un objectif est attaqué! Ouvrez-moi, recharge! Occupez pas de moi. Ils sont chauds les mecs là. On va prendre un médic plutôt. Stars LMG. Cornac frag. On va garder là, ouais. L'un de nos objectifs est attaqué. Oh, c'est quoi, tu veux? Putain. Ah, tu me reprends ce objet là. Et du coup. Vous êtes combien là? 4. Et le chat est bien trop silencieux. Là, il faut des munitions là, c'est le bordel. Rechargement. Attends, faut vérifier un truc là. Ah, il reste 16 minutes de téléchargement. C'est bien ce qu'il semblait. L'ennemi se replie. C'est pas le moment de lâcher. Allez, on go.
attaquer l'ennemi sur cet objectif. Bonne chance, chef d'escouade. Repoussez l'ennemi de cet objectif. Secteur Alpha sous contrôle. Vous avez pris tous les secteurs. C'est du bon boulot. Pas la zone de combat où vous serez expulsé de la bataille. C'était contre de l'IA. Déjà, ça donne un avant-goût. Alors, on va jouer contre l'IA encore une fois. On va prendre du snipe par contre cette fois. Attention, d'autres unités, force américaine dans la zone. Bravo! Tu peux établir la connexion avec eux? Je vais essayer, tenez bon. Ici le commandant Williams. Et à qui ai-je l'honneur? Kimball Graves, monsieur. J'appartiens à une force opérationnelle sans patrie. On va attaquer les forces terrestres russes. Si vous ne voulez pas vous retrouver coincé entre deux feux, je vous suggère de nous aider. On a le choix? Pas vraiment. C'est d'accord. J'envoie les coordonnées. Rendez-vous sur le terrain. C'est pas comme ça qu'on arrête une guerre. Écoutez, la stratégie est simple. Capturez vos objectifs, prenez le contrôle des secteurs et repoussez l'ennemi. Montrons-leur ce que les sans-patries ont dans le ventre. Objectif droit devant. Mettons-nous au travail. On suit votre progression, les sans-patries. Prenez cet objectif et ne laissez aucun survivant. On nous signale aucune présence ennemie. Sans-patries, vous pouvez avancer sur l'objectif. Celui-ci est à nous. Trouvez et capturez les objectifs. Cette bataille n'est pas finie. On sait ce qu'on doit faire. En avant. Ennemi éliminé. L'objectif est à nous. Vous avez pris le contrôle du secteur. Nos forces contrôlent la plupart du secteur. Attention!
y a trop de monde là. Pas la peine de venir m'aider. Attaque lancée sur Alpha 1. Oh. Ah, je suis comme un arabe. On voit que dalle, c'est un truc de fou. Ils ont beau le cacher, ils souffrent. On est sur la bonne voie. On tient des secteurs et on repousse les ennemis. Nos ennemis ont capturé le secteur, bravo! Lancez l'attaque de cet objectif! Bonne chance, chef d'escouade. On contrôle la plupart des secteurs. Regarde l'arme, il y a la poussière dessus et tout. C'est fou. Les troupes alliées ciblent bravo 1. Oh, c'était quoi ça? Oh Pierre, Ranger! Bravo, on va se faire attaquer. Faut les sortir là.
ressources disponibles pour un largage. Nos troupes ont capturé le secteur Charlie. Charlie 1 se fait attaquer. Tous les secteurs sont sécurisés, mais ils vont contre-attaquer. Non. Oh putain, c'est le bordel. Putain, faut le niquer, Charles. Oubliez ça. Attaquez l'ennemi. On vous surveillera d'ici. L'ennemi a réussi à prendre le secteur Bravo. Les autres marchent sur Bravo. On doit vite sécuriser les secteurs. La majorité est sous contrôle ennemi. Pas pour moi. Vas-y, fais-moi balle crâne. Tu peux monter dessus? Non. C'est énorme. J'ai plus de balles. Nos forces contrôlent la plupart du secteur. Vas-y, tue-moi, mec. Tue-moi, balle. J'ai plus de balles, tu vois, je crois. Ils ont capturé le secteur Charlie. Ils font tout ce qu'ils peuvent pour réduire nos effectifs. Oh merde. On a temps du coup. 10 minutes, ouais, allez. Après on attendra le chargement. Vous approchez pas de moi. Soutien, il est où le soutien? Ingénieur, tu déconnes. Allez, ma grande. Je recharge mon arme. Le secteur Charlie est à nous. Bah, les deux. Putain.
On contrôle la plupart des secteurs. Pose un explosif. Envoyez. Charge prête à sauter. Je recharge mon arme. On va prendre ce berne, nom de Dieu. Des troupes alliées ciblent Bravo 1. Bien sûr qu'on va gagner. Je suis là. Quel con. Venez me relever. Aidez-moi à me relever. Il me faut des soins. Rechargement en cours. Non, oubliez cet ordre. Allez mon gars, dépêche-toi. Il reste 7 minutes les gars. À peine. On va attendre. On va boire un canon. Et après c'est parti pour les mines, etc. On va tout voir. Au moins ils font tester un peu le jeu pour patienter avec de l'IA. Météo, tout ça, c'est une tuerie. Je sais pas ce que vous en pensez, chat. N'hésitez pas, déjà sur le premier rendu, hein. Dites-moi ce que vous en pensez. Peur.
Allez. C'est presque terminé. Et je vais juste regarder un truc. Putain, ouais, il y a 174 qui stream, personne qui stream dessus, c'est obligé quoi. Moi j'ai passé le tuto. Là, il y a un tuto carrément. Là, moi ça installe en attendant donc. Allez, 3 minutes et c'est plié, même pas. C'est presque fini. Secondes et on sera bon. Péter. Allez mon gars, tu vas me le mettre ton menu. On aime bien. Ça, ça fait plaisir. Introduction du jeu. Attention, d'autres unités. Force américaine dans la zone. Retour au menu. Tu me mets le menu, s'il te plaît.
fixe à l'ADEME. Battlefield est une communauté inclusive et diverse à toute personne bienvenue, quelle que soit son couleur de peau, son genre, son orientation sexuelle, sa religion, culture et son pays d'origine. Si vous nous rejoignez, cela signifie que vous traitez les autres comme ils le souhaitent. Ok, bah. Oh oui, oui. VIP, Fiesta, c'est quoi ce truc? Oh putain, il y a trop de trucs à faire là. Guerre totale, Hard Zone. Et Portal. Oh là 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 là. Alors déjà, accessibilité. Carte entière. Chat, ok. Putain, tu peux activer tes touches et tout? Mais non, c'est quoi ce truc de fou? Tu peux assigner tes propres touches. Ah oui, manette par contre. Régler en fonction, de toute façon on va voir. Ratio de visée verticale, réseau de visée. Tout régler, ça on verra plus tard hein, parce que les mecs on va passer la soirée là-dessus. Nous, ce qu'on veut voir, c'est le gameplay. Ok, oh, il est stylé celui-là. C'est une guerre, mon gars, t'es fou, toi. Les mecs qui sont blindes. Est-ce qu'on testerait pas ça d'entrée, tu vois? Allez. Fiesta par courage JT. Marquez des points en éliminant les villageurs. Si vous voulez, vous apparaissez dans une nouvelle équipe. Pas de compagnie de poste. C'est quoi ce truc de fou?
direct, hein, t'as pas le temps de... Salut Warrior 39, bienvenue sur le stream. C'est quoi ce truc de taré? Ah oui, t'as les armes de la seconde guerre mondiale, mais c'est un truc de... C'est quoi ce truc de niqué? Par contre, il y a un peu de mal à la viser là. Que j'ai pris, t'as craqué toi. Oula. Go on, just leave me. Ça commence mal. Ces armes de merde. Ça met quasiment la visée, je trouve, non? Ou ça met... des réglages à faire. Hein. Mettre à 50. Hein. Ouais, si on visait vertical, 70, 90, on va voir ce que ça donne. Hein.
Alors, mieux déjà. Désolé, on est sur les réglages, hein, parce que là, ça allait pas du tout. Oh, c'est bizarre, tu les vois très bien, les mecs, par contre. Sinon j'ai enfin mis un switch Twitch, c'est dur à dire. Oui, forcément. Mais mine de rien, la map elle est pas dégueulasse. Hein. Oh! Ouvre ta gueule, s'il te plaît. Sinon, on va faire le retour, par contre, une seconde. Une fois sur son. Ah ouais, bah ouais. C'est moi ou c'est chaud? Ah ouais, je vise comme n'importe comment, c'est moi qui te le dis. En même temps. On est mort en même temps, les mecs. Bon, alors par contre, les mecs, j'ai pas compris. Je veux pas être éclaireur. Personnalisé. Ça, je m'en fous. Médecin. Il avait une Thompson, le mec. Qu'est-ce qu'il me faut avec ça? Attends, il y a un souci là, va falloir que je regarde ça. La fameuse roquette, et ouais. Prendre un peu de hauteur, histoire de. Putain, j'avais sa tête. Merde, c'était trop beau. Il va falloir que je règle la sensibilité du... Ça touche pas, c'est une blague. Oh putain, ça me tire dessus. Whoa, whoa, whoa.
pas être bon pour moi. Je crève comme une merde. Ouais, de contraint, tu veux faire quoi? Oh putain, mais c'est chaud, va falloir régler la sensibilité du joystick et tout. Franchement. J'ai un peu de mal à comprendre. On va quitter ce mode, on va aller sur le nef normal. Hein. Ah, déjà la visée c'est trop là. J'étais niveau 3 haut. Sur le BF guerre totale hein. Parce que t'appuies sur le truc ça te l'en dit d'une partie, t'as pas le temps de voir le contenu tout ça. On va se détendre hein. Déjà c'est énorme. Oh ça c'est magnifique ça. Pas de compagnie de ma gueule. Oh. C'est trop bien. Trop bien. Attendez, on va sortir ça. Bienvenue dans Portal. C'est un tout le monde pour Battlefield Autonome à maintenir une communauté inclusive, diverse et mondiale. Oui, bah merci. Ah, en fait, t'as trop bien là-dessus. Ok, donc Portal, Hard Zone, c'est quoi? Ok, écoutez bien, car ça se complique. Votre mission ici n'est pas d'anéantir l'ennemi, mais de capturer des ressources, à savoir des lecteurs de données. Les lecteurs de données sont dans des nacelles de satellites. Votre escouade doit en récupérer le plus possible, les ramener à un point d'extraction et se barrer. Les lecteurs peuvent être partout, dans la nature, cachés dans un bâtiment ou même sur un soldat ennemi. N'hésitez pas à vous servir. Mais attention aux forces d'occupation. On teste ça. Elles sont retranchées, vous attendent et abattent les sans-patries à vue. De toute façon, je me suis pas donné de temps de stream. Ramenez le plus de lecteurs à l'extraction et obtenez une récompense. Elle vous permettra d'acquérir un meilleur équipement. Soyez stratégique. Quel équipement choisir? Faut-il agir furtivement ou foncer dans le tas? L'équipe se partagera les lecteurs que vous avez récupérés. Même si vous êtes... coéquipiers sont morts. N'oubliez pas de surveiller le temps restant dans la fenêtre d'extraction. Et surtout, brouillez-vous quand on vous annonce l'extraction finale. L'extraction, c'est la victoire. Ne la ratez pas. Prête. Allons-y. Didacticiel. Alors, collection. Qu'est-ce qu'il met ? Équipement. Petit passo. Semi-auto, mitraillette. Ah ouais, putain, tu fais toutes les classes, quoi. Ça, c'est pas débloqué. Gadget munitions. Caisse. Ok. Le médic, qu'est-ce qu'on lui met? Fusil mitrailleur. Semi-auto, ok. Médical, grenade frag.
l'instant, il n'y a pas beaucoup d'options, c'est normal, c'est un peu le début. Ingénieur. Ouais, sniper. Ah, l'assaut, je lui mettrais bien une petite... Il y a l'air d'avoir du lourd les mecs hein. Putain celui-là est magnifique hein. Oh là là. Oh il y a l'air d'avoir ces trucs. Bon par contre ce qui est dommage c'est qu'on joue pas là. Attends. Salut Goku on Twitch, bienvenue à toi. Trop de monde ce soir les mecs, c'est la hype sur Battlefield, mais venez. Venez follow, faites tout ce que vous voulez, c'est énorme. Merci beaucoup d'être là déjà, ça fait plaisir parce que des streams à minuit ça pique un peu. Mais j'ai dormi avant exprès, donc merci à vous d'être là, ça fait plaisir. J'ai mis le t-shirt pour le casque, c'est énorme. Alors attendez, parce que je découvre tout autant de vous. Ça c'est quoi? Oh oui, alors attendez. Excusez-moi. Le sniper l'autre fois, je lui avais mis ça. Ça c'est trop de la bombe. Je me demandais comment tu as la. C'est pas la bêta, c'est le jeu en fait. Si tu l'as précommandé les mois quelques semaines avant. Tu as le jeu en early access depuis minuit aujourd'hui. Voilà, d'où le live. Voilà, j'ai pris la version gold. On en est là. Allez, les classes c'est bon, boutique, armes, matériel, véhicule, comme d'habitude, hein, vous voyez. Putain, il y a des Cessna et tout, c'est un truc de fou. Pff, c'est un truc de niqué. Ok. Allez, on va tester ça. Alors là, c'est le mode Hard Zone. On va voir ce que c'est. C'est des récupérations de données satellites, apparemment. Il n'y a pas de souci. Salut Dax TV. Bienvenue à toi. Ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de faire ce petit battlefield. Depuis le temps qu'on l'attend. Oui, n'importe quelle précommande, n'importe quel support, PC, console, tu as l'accès direct au jeu. Là, si tu l'achètes et tu le télécharges, tu peux le consulter tout de suite après, y'a pas de soucis. Moi, je l'ai commandé le mois dernier. On avait un timer jusqu'à ce soir minuit, hop, et c'est parti. Allez, squat 2-3, d'accord. Non, moi, un coup, parce que... Je parle beaucoup. Tu vas raquer demain. Tu vas faire cramer la CB, t'es obligé. T'as pas le choix. Oh, il pleut. Oh, ça va être énorme. On fait le hard zone, après on fera le mode guerre totale. Hein, on découvre un peu tout. Avant j'ai fait un peu de Battlefield 1942. En fait c'est trop bien, t'as tous les anciens Battlefield jouables, c'est un truc de fou. Wow, c'est quoi Sundance, Casper, Dozer, Assault. Oh putain, il a l'air pas mal lui. Allez, on part là-dessus les gars. Ok, t'as des crédits. C'est quoi ce truc de fou?
Bah déjà on va prendre tout ce qui est gratuit. Oh, c'est quoi ce mode de jeu, il a l'air sympa. Ensuite tu dois avoir des crédits et tu dois pouvoir acheter au niveau des manches. Allez, on part comme ça, on va voir ce que c'est. Tactique. Ça l'a pas mal. Salut MacBook 66, bienvenue sur le stream. En fait je voulais précommander mais j'étais pas sûr, mais si. Tu as la réponse devant toi, on peut y jouer à partir de... Depuis ce matin minuit, c'était bon. En tout cas les persos sont sympas. Ça donne envie. Tu vas faire arrêter. Un peu, ouais. Il y a les gouttes de pluie sur l'arme les mecs. Truc de fou. En plus t'es sur PS5, ouais. Vas-y, hein. Magnifique. C'est quoi ce truc? Contact à gauche. Ouais. Enfin, premier kill les mecs, premier kill. Ça touche trop, c'est énorme. Permets-toi de la vivre. Putain, faut les flanquer ces mecs. C'est quoi ce bordel? Oh, en fait, ouais, c'est un détecteur de... Ah, j'ai déjà plus de balles par contre, ça c'est la bêche. Ah ouais, j'arrive. Il y a un colis là-bas, on va aller le chercher. Merci pour ton follow mec, merci beaucoup. Ouais. Il y a les mecs sont sur la gauche normalement. Déploiement escouade, ok. Écoute, on va aller chercher des munitions parce que c'est un peu la gauche là du coup. Ils sont en sous-sol. Dites-moi pas merci les mecs. Putain, je voulais des munitions là. Hein. Putain, contact. Il y a un mec là. Oh, bien vu. Des balles mais pas assez. C'est
quoi E1? Pas pour aller dessus. Salut, salut. Désolé, je suis concentré hein. Dans le chat, j'essaie de faire au mieux. Oh, les mecs, quand même. Par contre, désolé, pour la qualité, j'ai pas la fibre, hein, donc je suis à 12 mégas, les mecs, donc ça... C'est pas terrible. Bon, ouais, ça a tendu. Ouais, je suis tout seul aussi, tu vois pas quoi. Ah putain, mais je peux rien faire. J'ai même pas de grenade, j'ai que là. Et mes potes ils sont pas là quoi. Il y a un mec là-bas, attends, tu vas les secouer. Ah j'ai plus de balles, putain c'est la bêche. Je peux rien faire comme mon équipe, les mecs ils sont à l'ouest là. Oh, c'est totale découverte pour le moment. J'aimerais bien avoir des munitions par contre. Tu me donnes envie de jouer, ouais bah. Ah il y a ça, je sais pas ce que c'est. Ça peut te donner des infos. Putain le mec il est rentré avec la voiture dedans quoi. Non, c'est mort. Oh putain, tu as mal comment là. En fait, je pense que t'es obligé d'aller sur le E1 pour continuer. Allô ? Qu'est-ce que ça donne ? Tu déconnes ? Ok, je suis blind. Allez, on va sur le E1 du coup, sinon on va pas y arriver. C'est bien animé. Oh. Ah, ils étaient deux. Enfin, je suis mort qu'une fois pour le moment. Série d'extraction. D'accord, en fait, faut aller sur les extractions pour faire des ponts. Et donc, t'es en escouade. Si tout le monde crève, c'est fini. Ok, 280 crédits. Première partie de la journée, 3034. Ouais, donc là c'est du compétitif, hein, j'ai l'impression. Ok, bon, on a vu ça, pas de soucis. Ça on fera après, ça me va. C'est pas mal. Sur le PlayStation Store, on peut installer de la bêta. Oh, t'inquiète, on a tout joué à la bêta. Allez, on va passer aux choses sérieuses. On va passer sur le vrai champ de bataille, les mecs. Hé, hey, ça va le faire. Par contre, l'analysine sur le... ça pique un peu. Alors, allez, Warface.
Quête percée. Alors. Salut la Storm, bienvenue. La Coracatana. Percée est un mode de jeu, les lignes de front constamment en mouvement. Oh, une petite percée. Approfondir une conquête, les mecs. Hein? Allez, on va se faire plaisir. Apparemment, t'as des personnages qui sont encore bloqués. Allez, c'est parti. Je vous fais pas attendre plus longtemps. Tu peux personnaliser ta fiche de combat. Ouais, il est branlable, il est pas mal. Pour ceux qui sont là en train de regarder, ça fait extrêmement plaisir. Alors, renouveau. Ah, déjà, tu vois la map, elle est coupée en deux. Ça a l'air d'être une centrale solaire. Ça a l'air pas mal. Pépinière, centre, et après ça avance en fonction des prises de secteur. Ouais, ils sont badass les persos. On va garder Dozer, il est pas mal. Il y avait des véhicules. Ça a l'air stylé, hein, les champs solaires comme ça. C'est déjà en train de se tirer dessus. Ouais. On va se mettre coup par coup. La précision sera mieux. Oh, c'est énorme. Balle par contre, c'est pas de ça, mais... ça se fait aussi. Oh putain! Oh lui, il a rushé, il a pas cherché. Hein. Rien à foutre. Il y a des médics au moins? Allez! Venez m'aider! Quelqu'un peut venir m'aider? J'ai besoin d'aide! Il me faut un médecin! Aidez-moi! Oh les mecs, on est sur Battlefield. Quelqu'un peut venir m'aider? Laisse tomber, on va se faire des potes. Non! Venez pas par ici! Allez, on va les fighter un peu dans le tas.
Bon, voilà, ça bug un peu. Le mec, il a fait du slide. Ah, merci, mec. Toi, tu bosses au moins. Prends des munitions, mec. C'est quoi ce truc? Ah, ok. Bon, on va récupérer le 1. Par contre, j'ai l'impression qu'il y a des mecs qui se planquent. C'est bien ce qui me semble. Il y a de la thermite, sérieux. Oh, il m'a fait une glissade de bâtard. Allez, venez m'aider. Allez, c'est un bon, on se redéploie. Venez pas par ici. C'est trop chaud. Déployer sur A1. J'arrive, mec. Qui va prendre par contre? Ah ouais, ouais. Merde! Putain, les mecs ils sont loin! Hein. J'ai besoin d'aide! Non, wesh. Ah, l'autre il est derrière aussi. Putain, la bataille. Ok, ah c'est chaud. Salut Sierra Gaming, bienvenue à toi. Et bienvenue à tous les autres qui sont là depuis tout à l'heure. Bon, c'est tendu. Regarde, il y a un mec là-bas qui se calme. On va changer un peu d'opérateur. Un petit Casper. L'a fait. On va tester un peu le snipe. Parce qu'il y a des mecs sur les côtés là, ça compte pas mal. Une fois 6 et la fois 2. Ouais, nickel. Bon, je te souhaite une bonne soirée. Bon, merci beaucoup. Et ouais, pense à précommander hein, si tu veux jouer avant le 19. Dans une semaine. Avec ça à faire. Je reste la sensibilité du sniper. Attends. Il y a déjà des mecs qui commencent à se mettre comme des bâtards, tu vois. Je vais le chercher. Hein. Boutique.
Elle est où l'option? C'était en général à pied. Sensibilité visée zoom, non. Ah putain, c'était dans quoi? Ratio de visée verticale. On va remettre à 80 pour voir si c'est ça. Il y a plein de trucs à modifier là. Il va falloir vérifier ça dans les prochains jours là, pour les réglages, etc. Bon, est-ce qu'il y a un mec qui... Ouais, il y a encore un mec sur la gauche. Putain, les maps, elles sont énormes. Déjà, on va essayer, ça donne quoi? Ouais, c'est un peu plus précis. Oh, le long shot avant ça termine. Oh, j'étais beau. Le retour, faut voir. Oh, magnifique. Ah, exactement comme prévu. Alors, c'est pas génial, ça? Pas trop fort. Soyez pas triste, ça arrive. C'est dans l'ordre des choses. Oh, c'est trop fort. Bon, n'oubliez pas de follow s'il vous plaît, ça fait un gros soutien à la chaîne et je vous remercie d'avance si vous le faites. Merci. Plaque par Balibéa, ouais. Ok, un skin. Ok. Et la red dot sur le point. Ok, ça marche. Allez, on va passer en conquête, les mecs. Nouvelle recrue, ok. Dommage. Je sais pas comment tu les débloques. Ok, en faisant des actions, ça marche. Premier tir au snipe, mon gars. Ça touche, hein. Quelle
là comme sur les toits là. Tous les bâtards avec leur snipe là. Ah bah c'est la map que j'ai fait tout à l'heure en hard zone. Je vois qu'on est prêt à se battre. Le médic, il est là. Allez, on part comme ça. Il y a des jeeps. Ah, il y a au deux tours ces deux putain, ils vont tous aller là-haut les mecs. Putain, il y a un char, les mecs. Tirer dessus l'enculé. Il y a deux mecs là. Allez go. Ah, ces deux, ça va être tendu par contre. Dehors des cages d'ascenseur normalement.
Eh ouais, putain, ça me snipe. Ça, c'était obligé. Loin de moi. Blessé! Venez m'aider! Aidez-moi! Ah, putain, ça a coupé.